comme il faisait 42 degrés à Paris aujourd'hui, on a décidé de prendre un train et puis on est arrivé à La Rochelle. Mais en fait, on ne sait pas du tout quoi faire ici. Mais alors, pas du tout. Il y a un port, là. Bah, on va se baigner peut-être. Et ouais, on va aller se baigner. Et puis, on va aller à l'office du tourisme avant. Oh, ouais, voilà. Bonne idée. Qui date de la Révolution française, qui dit Temple de la justice, c'est le règne de la liberté, de l'égalité en deux de la République française. Bah, on y va alors. Super. Etc. Et là, on est devant la maison de Nicolas Venette. Alors, qui est Nicolas Venette? Nicolas Venette est un chirurgien de la Marine Royale. On s'en bat les couilles. Bah, c'est surtout que sa maison était un peu moche. Non, mais bravo. Ils nous ont fait faire tous des tours là pour voir ça. La tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas. C'est les portes de la ville. La tour Saint-Nicolas, c'était l'ancienne demeure du capitaine. C'est le capitaine, si vous voulez, c'était comme un petit peu le maire de La Rochelle à l'époque. Et il a attendu toute sa vie le roi, qui n'est jamais venu. Et il commence à flotter. Voilà. Mais c'est pas grave, on est à la mer. On est bien. Derrière moi, tout au fond, se trouve la tour de la Lanterne, qui est la petite sœur des deux autres. Et en fait, elle est la petite sœur, mais c'est la plus vieille. Et la tour de Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne, en fait, ont servi aussi de prison. À la tour de la Chaîne et j'ai un billet gratuit. Eh oui, parce que c'est gratuit pour tous les ressortissants de l'Union européenne et les résidents de l'Île-de-France de moins de 25 ans, pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants aussi, je pense qu'elle avait des réductions. Et c'est super, hein, tu peux aller visiter les trois tours et il y a une magnifique vue, tu peux voir des petits bateaux et tout ça, c'est trop bien. On va essayer de prendre ce bateau, c'est un bateau solaire, donc c'est écologique parce que ça, je suppose que ça bouge avec l'énergie solaire. Et on aimerait bien le prendre parce que c'est pas très cher, parce que ça nous fait une balade avec un bateau et parce qu'on va avoir d'autres trucs à proximité. Bon, c'est pas très très local, mais on s'est arrêté pour manger des crêpes parce qu'on aime ça, c'est tout. Merci. Chillin, baby.
bonne fête. Aujourd'hui, c'est Saint-Jacques. Moi, j'ai déjà fait mon cadeau. C'est trop content, je trouve que les gens sont super gentils et c'est super de sentir. Oui, j'aime beaucoup l'air de la mer, les gens sont trop gentils et ça n'a pas l'air d'être très cher aussi, les restaurants et tout ça. Super. Je suis encore plus contente qu'il fait super beau et qu'en même temps il ne fait pas super chaud comme à Paris, 42 degrés, donc c'est vraiment la chance de pouvoir partir pour un jour. C'est pas très loin. Trop bien. Super bonne. Si tu finis pas, je vais finir la tienne. Non! Merci. Bienvenue à La Rochelle. Les gens sont tellement heureux qu'ils s'envolent. Ça commence à devenir un peu chaud. Pourtant c'est super beau. Regarde. Le parc animalier de La Rochelle est vraiment génial. Il y a même des ruches avec des abeilles en énormane. C'est vraiment wow. C'est trop beau. On ne s'attendait pas du tout qu'il y aurait ça. Heureusement que t'as pas d'odorat parce que je sens la chèvre. C'est pas possible. Et voilà, quand il arrive à la plage, il faut qu'on ramène la plage. On peut pas se baigner, il y a plein de... Et tu pues toujours la chèvre. Ah, c'est un mélange de sel et de vase. Voilà, au 16e siècle. Oh non, parce que j'aurais eu des dents pourries et moi j'aime bien mes dents. Enfin, j'ai pas envie d'avoir des dents pourries. J'ai vu une toilette publique et c'est une amalgame. Je fais pipi ou pas? J'adorais la balade avec le vélo, c'était vraiment une des choses qui m'a le plus plu de cette journée. Parce que, en fait, bateau qu'on a pris. Bon, je fais pas de placement de produit. C'était cool, voilà.
tu avais aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire comme d'habitude. Tu likes, tu partages, tu mets un petit commentaire gentil, parce qu'on aime bien les commentaires gentils, nous. Et puis, on te dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.